Bonjour, 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 bonsoir, chers compatriotes. En plus, c'est la victoire des Bleus. Victoire de la France. Hein? Il y a eu une petite information. Vous savez, quand je fais ce genre de direct, il est imprévu carrément parce qu'il y a eu une information que je vais vous livrer là directement. On est en train de suivre le match comme tout le monde. Hein? Je vais dire ici, bravo, 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 bravo les Bleus. Voilà. Il faut pas se voiler les... Il faut pas se voiler les faces, hein. Faut pas se voiler la face. En tout cas, déjà pour commencer d'abord le direct, au départ je pouvais soutenir le Maroc, ok? Je pouvais soutenir le Maroc, mais il y a eu un déclic. Il y a eu des propos qui ont fait ce que automatiquement que je soutienne la France. Ok, le Maroc, c'est un pays africain. Il est dans le continent africain, une nation africaine. Mais le fait que l'un de leurs joueurs a craché sur la peau noire, en étant lui-même noir, ce déclic-là m'a touché la tête automatiquement, parce que le choix était clair entre la France et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Le choix était clair entre le Maroc et la France. Le choix était qu'on devrait soutenir le Maroc. Peu importe. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps du Verseau. Ceux-là qui ne comprennent pas le temps du Verseau, le mal que tu veux faire aux autres, ça te retourne. Est-ce que vous comprenez? Ce qui était caché. Donc les faibles deviennent les forts deviennent des faibles. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ceux-là qui ont voulu le mal à faille, permettez-moi de partager en même temps dans des groupes, partager parce que j'ai deux petites informations vite fait, deux petites révélations à vous livrer. Voilà, merci mon ami GD Fumo. J'ai deux, je vous dis bien, deux informations à vous révéler ici. Parce que je suis un homme, on leur avait déjà dit, ils peuvent rien faire des affamés, des bébés noirs, des gens de Dominique Okemba ici sur la place de Paris, sans pourtant que nous on soit au courant. Ils peuvent rien faire. On maîtrise les informations, on maîtrise de la façon qu'ils dorment, on maîtrise de la façon qu'ils boivent même de l'eau, on maîtrise même les sous-vêtements de leurs femmes. Donc ils peuvent rien faire sans que nous soyons pas au courant. Partagez. Partagez. Donc, l'entrée du jeu, c'était déjà de soutenir, déjà, Blanche Mondel, bonsoir. Comme je vous ai dit ici, ce qui était logique, c'était de soutenir la France, hein. Et de soutenir le Maroc, désolé. Pour un premier temps, ce qui était logique de soutenir le Maroc, qui est un pays africain, une nation africaine. Mais le fait que l'un d'entre eux a montré la haine qu'ils ont
contre la chair, contre la peau noire. L'un d'entre eux a montré le désir, la haine qu'ils ont contre la peau noire, a fait le déclic de la majorité des Africains de la peau noire. Voilà. Eux-mêmes, ils ont dit que leur victoire, c'était pour le Maroc, c'était pour les musulmans. On ne dit pas que les musulmans ont des idées un peu déréglées comme ce joueur-là. Non, on dit pas aussi tous les Marocains ont les mêmes idées déréglées que ce joueur-là. Non. Mais le problème, c'est qu'il y en a combien de Marocains qui se sont indignés, qui ont demandé les excuses. Il y en a combien? Il n'y en a pas eu. Pratiquement, voyez-vous. Et c'est ça. Nous sommes dans le temps. Nous devons appliquer, si la peau noire n'est pas respectée, parce que nous n'appliquons pas la loi du talion. Ils appliquent la loi du talion. Lisso Nicolas Lisso. L'œil sur l'œil. Lisso Nicolas Lisso. Dent sur dent. Pourquoi nous, les Africains de la peau noire, on doit toujours accepter? Hein? Bouaka Mbombi, bonsoir. Merci en tout cas. Merci Bouaka. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas que tous les musulmans sont dans la même idéologie que ce joueur-là. Non. Mais sauf que, on n'a pas vu les musulmans, on n'a pas vu des grands sporteurs ou des grands influenceurs s'indigner sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait un déclic, claque dans nos têtes. On a dit de toutes les façons, c'est la France qui nous donne le RSA. C'est la France qui nous donne le travail ici là. Bien que eux aussi viennent voler chez nous, ils créent, ils déstabilisent notre état. Ça, c'est ce qui est vrai. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là, si on a fouillé nos pays là, c'est parce que la France a une part de responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on essaie un peu de voir l'équilibre là, on préfère un démon qu'on maîtrise qu'un ange noir, un ange noir qui rejette sa race. Il a rejeté sa race. Est-ce que vous comprenez? Il a rejeté la peau noire, alors que lui-même, quand vous voyez déjà ses cheveux sont, je ne sais pas, noirs ou gris, je ne sais pas comment. Ok? Félicitations à la France, parce que moi, demain, on va aller travailler. C'est les Français qui vont nous payer. Que vous en voulez ou pas, nous sommes sur leur territoire. Ils ont mis les mécanismes. Ça aussi, c'est pas les Français qui ont demandé à l'idiot de ce joueur-là de venir insulter ses frères africains, c'est pas les Français. Parce qu'on a toujours tendance à donner tout chez les Français. Non. C'est pas la France qui a demandé ça. C'est pas la France qui a pris la bouche de ce joueur-là pour venir dénigrer la peau noire. Non. Voilà. Le déclic était clair et net. Et moi, je dis encore soutien aux Bleus. Devant l'Argentine, la France doit prendre la Coupe du Monde. Voilà. Voilà. J'ai des enfants français, françaises nés sur ce territoire. Je bénéficie quand même des avantages de ce pays. Donc, les Français doivent récupérer ça. Il n'y a pas de choix. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je ne vais pas prendre du temps, comme vous pouvez le constater. C'est un direct vite fait parce que nous avons des informations. Oh, la petite, ça va? Acharia. Acharia Dav, ça va ou quoi? Tata Pierre Lenoir, bonsoir. Bah voilà, Tata Pierre Lenoir, t'as vu, j'ai raison, non? Ma tonde. Oh. Un joueur, comme ça, vous allez vous représenter l'Afrique et vous voulez mettre. Au fait, vous voulez enlever votre pays dans le continent africain. Même les Français eux-mêmes, les journalistes européens, ont dit. C'est pour la première fois que l'équipe de l'Afrique est en train de partir. C'est qu'il y a ma quart de finale, Nabino. Dans ma demi-finale. Les Européens. Donc même les Européens, ils vous considèrent vous-même étant que les Africains. Nos frères de la RDC vous ont dit, Nyo se zalaga tiyatrite. Nyo se zalaga tiyatrite. Vous n'avez pas compris. Nyo se zalaga tiyatrite. Dès lors que ce joueur-là
a eu à régner la peau noire. Les enfants d'Israël que nous sommes, les gens qui détiennent la spiritualité, les gens qui sont en contact avec le Dieu, les amis, pourquoi tout le monde, dès lors que celui-là qui est un Africain a eu à nier cette race-là, il fallait que vous tombiez. C'était obligatoire, votre échec, c'était obligatoire, clair et net. Demi-finale. T'as là, Acharya. Tu sais, moi je suis pas football, hein, moi je suis pas trop foot. Si je te dis que je connais au moins 3-4 joueurs, ma cousine, hein, c'est parce que, au fait, c'est juste depuis la phrase de ce voyou-là que j'ai commencé à voir. C'est aujourd'hui que j'ai. C'est pour ma deuxième fois que j'ai suivi depuis que le match-là a commencé. Je sais pas, la Coupe du Monde a commencé. La première fois, j'ai même appelé mon ami Benny pour savoir c'était à quelle heure que le match allait commencer. Vous voyez, donc je suis pas trop désolé quoi, je suis pas trop football. Voilà. Donc je veux rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure là, tout de suite là. Permettez-moi de partager un peu dans mes groupes WhatsApp parce que nous avons des amis qui ne sont pas au courant que je suis en direct, tout simplement parce que je n'arrive plus à faire les directs sur ma page. Le fils de la promesse qui a été bloqué. Et ma page YouTube également a été désactivée. Là, je suis peut-être à... Je sais pas si c'est le 15e ou 20e page Facebook et YouTube que je suis en train de créer, qu'ils sont en train de désactiver. Lambert Tisson, bonsoir. Je vais bien, merci mon frère. J'espère que de ton côté aussi, tu vas bien, tu te portes bien. Permettez-moi d'enlever d'abord ce sujet-là. Donc, vite fait, chers amis, attendez, permettez-moi, je vais partager. J'ai deux révélations à vous donner ici, vite fait. Deux révélations. La première révélation, c'est parce qu'on avait dit aux affamés, aux petits bandits criminels, les bébés noirs de la place de Paris, les enfants de Jean-Dominique Okimba, qu'ils vont rien faire sur la place de Paris sans pourtant que nous, qu'on ne soit pas au courant, quoi. C'est impossible. Ils peuvent bouter. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tous leurs mouvements, on contrôle même leur esprit. Ouais, leurs esprits, on les contrôle. Je vais vous donner les informations ici. Demain, vous allez encore voir. Vous allez voir que Faïdi toujours la vérité et on est tellement bien informé avec nos équipes de l'ombre. Voilà. Et ici, là, je me reprends le peuple congolais à témoin et l'opinion internationale à témoin parce que moi, personne ne va faire encore un business derrière mon dos et ou derrière ce combat-là. Nous n'allons jamais accepter. Comme on l'a dit aussi, ceux-là qui sont de l'opposition au Congo-Brazzaville, préparez-vous, parce que nous allons rentrer d'ici peu là, dans une campagne qu'on va demander le bilan de l'opposition congolaise. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'ici peu du temps là, c'est ce que nous allons faire. Parce que aujourd'hui, si le régime de Brazzaville arrive à se maintenir, c'est parce qu'il y a ceux-là qui sont des faux opposants, mais qui font le sale boulot de pouvoir maintenir ce régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous, on va essayer un peu de déranger les cotes, le code du business, là, on va essayer un peu de déranger ça. Donc, on va essayer de déranger un peu le code du business dans lequel les soi-disant opposants politiques, que ce soit ceux du pays, que ce soit ceux de la diaspora, il n'y en aura plus déjà. Les affamés, déjà, on les a déshabillés, on les a dévoilés, on les a mis déjà, c'est-à-dire Mutakala quoi. C'est-à-dire eux, dans la diaspora, il n'y a plus déjà. On va s'en charger aussi à ceux-là
qui ont fait de leur vie, qui ont fait de l'opposition de leur travail, de leur business. Rassurez-vous que je sais que nombreux seront encore en colère contre moi, avec nos équipes, avec les frères avec qui on a constitué les équipes de l'attaque. Voilà. Donc, d'ici peu du temps, ne soyez pas surpris de voir que les papas ou les mamans qui sont les soi-disant opposants au Congo-Brazzaville puissent mettre des voies, des moyens, puissent mettre des moyens pour attaquer Faye ou pour attaquer le noyau dur, parce que la décision ne vient pas de moi seul. Nous avons le noyau dur de la résistance pour la libération du Congo Brazzaville. Voilà. Et ce noyau un peu répandu partout dans le monde, femmes comme hommes, il y a aussi des mamans, il y a des papas, il y a des sages, il y a des intellectuels, toutes catégories confondues. Donc, d'ici peu, je voudrais encore dire encore à ceux-là qui sont dans l'opposition congolaise. C'est bien qu'on puisse accuser Denis Sassou Nguesso. Oui, Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Oui. Mais comment Denis Sassou Nguesso arrive à se maintenir? Comment Denis Sassou Nguesso arrive à pouvoir empoisonner des gens? Si Denis Sassou Nguesso arrive à empoisonner des gens en étant un pilote, si Denis Sassou Nguesso arrive à agresser des gens en étant un pilote, c'est qu'il y a des gens qui font ce boulot-là, parce que Denis Sassou Nguesso ne va pas se déplacer pour faire ce boulot. Donc, dans ce pas-là, nous allons couper les branches qui permettent à Denis Sassou Nguesso de faire ce sale boulot. Et donc, nous allons commencer au sein de l'opposition. Quand on va finir avec l'opposition et nous, voilà pourquoi vous allez constater que non, à chaque fois que la diaspora, à chaque fois que l'opposition a eu à mettre un truc en marche pour déstabiliser ou pour chasser Denis Sassou Nguesso, ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a jamais marché? Mais tout simplement parce que ça fuite, parce que nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont fait de l'opposition leur travail. Celui qui prétend être le président, ce SDF de Matou Samuel, à qui on vous avait déjà informé ici, on va le chercher, on va lui créer un travail à l'ambassade. Là, il passe toutes ses journées à l'ambassade du Congo dans une salle qui n'est même pas... Il n'y a même pas le chauffage. Lui-même, il est venu dire ça dans le direct de sa femme, Matou Samuel. Ce n'est pas moi. Il a dit, on passe le temps, on travaille bénévolat et on partage le shawarma ensemble, on partage le sandwich ensemble. On ne vous avait pas dit ça? Est-ce que je ne vous avais pas informé que non? Ils vont lui créer un petit truc comme ils ont eu à faire avec Aporo Bouddha. Florence, bonsoir. Ça, je ne vous avais pas dit ça. Je vous avais informé. Aujourd'hui, lui-même, il le dit, il passe ses journées à l'ambassade. Hein? Ce SDF qui voulait être le président de la diaspora. Ok? Il n'a même pas... On l'a chassé. On a travaillé dur jusqu'au moment qu'on l'a mis à la porte. Voilà, Jidenfoum. On a travaillé là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens même. Vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à pleurer, qui commencent à dire que Faye, c'est un diable. Faye, c'est un sorcier. Mais ceux-là, ils étaient des premières personnes à prendre les photos de mes ex. Vous avez vu ici les photos de mes enfants, à venir mettre sur l'internet, à venir toucher ma vie privée. Vous avez vu ici, vous avez vu qu'ils se sont associés même avec mes ex, d'aller porter des plaintes pour pouvoir faire tomber la tête de Faye. Mais zéro mpamba mon pamba. Est-ce que vous comprenez? Mais le retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Eux, ils prenaient ça comme si c'était un truc. Mais quand ça a frappé là, la convocation est tombée là. Bidjilunzo nanzo.
Ah, le doyen Bedel Baouna, mon vieux, tu es toujours là. Le spécialiste, le doyen qui nous a fait, qui nous a donné le sourire en décryptant le PCT. Au doyen Bedel, on veut bien ton retour, hein, doyen. Hein? Tes analyses nous manquent, mon doyen Bedel Baouna. Bagola, pas mon frère Gideon Foumou. Aujourd'hui, ces gens-là commencent à crier au diable. Aujourd'hui, ces gens-là ont insulté Donald, ont dénigré la mère de Donald, ont dénigré la mère de Faye. Ils étaient parmi ceux-là qui ont monté avec le petit que j'avais giflé et je l'ai gagné pendant le procès et je l'ai rien payé. Qui disait ici il devrait aller récupérer la parcelle, non? La parcelle à la Rumboshi, non? Il avait fait la vidéo, mon petit Edgar Bokilo. C'est pas ce qu'il avait dit qu'il devrait, si je ne paye pas, il devrait aller récupérer la parcelle à la Rumboshi. Moi je lui ai dit allez-y. Merci Brondé Okombi Itoua. Je vous encourage avec le noble combat que mène pour la libération du Congo. Merci. Chers amis, je répète encore et je l'aurais dit ici avec toute honnêteté, tant que tu ne viendras pas nous déranger sur le chemin que nous avons emprunté, que nous avons accepté, de l'humiliation, des amendes, j'ai 36 000 euros à payer. 36 000 euros à payer. J'ai 1 500 euros à payer avant le 3 janvier. Contre le procès des enfants maudits de Bernard Colella, qui ont sacrifié leur frère et que Denis Sassou Nguesso ne les a pas récompensés non plus, ni député, ni ministre. Zéro. Zéro. Aujourd'hui, vous voyez aussi le grand frère de Gavé, qu'on est en train d'utiliser comme un mouton. Pour pouvoir sacrifier son grand frère. Vous voyez le niveau que le PCT utilise. Vous voyez le niveau que le PCT détruit les familles. Vous voyez le niveau que le PCT endeuille les familles. Vous voyez que le niveau que le PCT. Au fait, le PCT, c'est un parti que nous devons. Ça doit disparaître. Après Denis Sassou, ce parti-là doit disparaître. Bref, je rentre dans le vif du sujet. Je pense que là, j'ai déjà bien partagé un peu dans quelques groupes. Merci. Oui. Lambert Tisson. Aujourd'hui, ce garçon qui croyait pouvoir narguer les Congolais avec l'argent du contribuable est devenu SDF. Je l'avais défié depuis le 24 novembre qu'il nous fasse la vidéo chez lui. Il a été chassé. Et je le disais déjà avant qu'il devait l'appartement parce que l'appartement n'était pas déjà son nom. L'appartement était au nom de sa défunte femme et au nom de Diaf le Quetta. Et à chaque fois qu'on lui donne l'argent du sang, on le chasse des appartements. Kiki Christelle a remis 120 000 euros. On l'avait chassé de l'appartement. L'appartement a été scellé. L'appartement local à Bakangara Kwanga. D'accord? Là encore, Dominique Okimba a remis de l'argent. L'appartement scellé, chassé. La malédiction, tu vois. Nani bo monité. Je vous ai dit. Nazali Banga Obobete Lakamabaku. Vous m'appelez sorcier, non. Nazali Ndoki Nakibunzambi. Je suis le fils de la promesse. Vous n'avez pas compris, hein? Vous allez comprendre avec le temps un jour. La salle est la bino ma prière. Même Itaka, la bino m'a raté. Tous ceux-là qui ont eu à m'attaquer. Tous ceux-là qui ont eu à me ridiculiser, qui ont cherché à me ridiculiser. Tous ceux-là qui ont cherché à atteindre ma vie.
aujourd'hui sont sous mes pieds. Et je pisse sur vous. Je marche sur vous. Parce que j'ai l'autorité divine, l'autorité de tous les saints, l'autorité de tous les innocents qui ont coulé de leur sang pour le Congo-Brazzaville. Bref, c'était juste les amuse-gueules. On va rentrer dans le vif du sujet. Je prends ici à témoin les Congolais. Donc, Amadou Sow, la femme de Matou Samuel, papa son chéri, Nagno Lélité, si tu continues encore à t'agiter, on dirait encore très loin. Les équipes de l'ombre iront encore très loin. Et je sais que ta femme, on va lui donner cette information. Je n'ai pas un problème contre ta femme ni tes enfants. J'ai pas un problème ni avec ta femme ni avec tes enfants. Mais sauf que ta situation à toi risque de contaminer les autres. Voilà, ce n'est pas moi. Quand toi et votre groupe des criminels, des empoisonneurs, vous étiez allé faire le direct chez votre ami Filature en cherchant la photo de l'ex-femme, donc la mère de mes enfants, en venant crier ici, yeah, 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 yeah. Toi là, hey, 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 hey. Aujourd'hui, retour à l'envoyeur, t'as vu comment ça fait? Tu vois les démons partout, tu vois le diable partout, t'as rien compris, vous n'avez rien compris. Matou Samuel, t'as vu comment on a aidé, t'as vu comment aujourd'hui, le frère, grâce à Nkodja, on l'appelle la menace qui avait troublé ton foyer, qui avait récupéré ta femme, récupéré la maison là où tu squattais là-bas, enceinté ta femme. Tu n'as pas de valeur. Et à la fin, tu as connu la femme était déjà enceinte. Tu avais connu la femme là, elle était déjà enceinte, hein, la défunte, perd son âme. Enceinte. Tellement que toi t'aimes, t'es qu'un garçon sale, t'as récupéré. Vous êtes séparés. La dame s'est mise avec une autre personne, enceinte du grand frère que je salue. Grâce à Nkodja, la menace. Qu'est-ce que t'as fait? Le gars est au travail, t'as ramené tes amis voyous pour aller récupérer, voler ses chaussures. Même toi, le blouson zolata ya croco, bilambo zolata ya mbanda, tu n'as pas de valeur. Tu as récupéré les chaussures. Les gens qui ont sali vidéo, ils ont dit dans un groupe, blouson ya croco, ce qui a croco, ce qui a dit zolata, bilamba ya mbanda. Olata na chaussures ya croco ya mbanda. Ils ont serré au makolo. Tu n'as pas de valeur. Donc c'était juste une parenthèse, vite fait. Donc, pour dire à ta femme, à Amadou Sow, de faire très attention. On ne blague pas avec le peuple. On est plus nuisible que vous. Ça, ce n'est que le début. Hein. Là, vous êtes devenus des conseillers. Non, j'ai changé. Moi, Matou Samuel, je ne suis plus ce que j'étais hier. Vertige. Pow. 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 Là-bas, na binonga na za niveau ya souka. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet vite fait. Parce que j'avais dit 15 minutes, pas plus. Là, on a combien de minutes là? Donc, j'ai dû mettre le volume complètement. Donc, comme vous le savez, chers amis, chers compatriotes, on vient toujours ici pour vous informer, pour vous ramener le dossier fraîchement sorti des réunions du PCT. Voilà. Donc, là, je vous lis vite fait. Comment il s'appelle l'autre criminel, le sergent Florent Ondaï. Donc là, déjà sur la place de Paris, nous avons des petits criminels
que Denis Sassou Nguesso avait déjà envoyé sur la place de Paris, parce qu'il va arriver sur la place de Paris. Fort longtemps, vous a dit que la France veut quand même changer certaines choses dans notre pays. Les gens ne croyaient pas. On vous a dit même les États-Unis n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, vous voyez que c'est officiel que ce régime de Brazzaville, le régime dictatorial, que Denis Sassou Nguesso va voyager comment on appelle, vers les États-Unis. Après, vers les États-Unis, il viendra ici en France. Donc, ça fait dans 30 minutes, ok. Il viendra ici en France. Donc, il est appelé à tous les résistants, à toute la résistance, de se préparer. Parce que Denis Sassou Nguesso ne peut pas rentrer sans pourtant qu'il y ait une manifestation. Voilà. Donc, il doit comprendre que dans la place de Paris, Dominique Okembe était venu réveiller la place de Paris. Là, actuellement, je vous donne une information. C'est que les manifestations, c'est légal dans ce pays. On n'est pas dans la jungle de Denis Sassou Nguesso en pilat. Là où, quand Desté Gavé s'est mis debout pour parler des prisonniers politiques, on l'a jeté en prison, on l'a arrêté. Non, ici, là, on respecte. On vous met même la sécurité. Donc, il faudrait que Denis Sassou Nguesso, quand il ira croiser le président Emmanuel Macron, qu'il y ait des gens aussi qui vont s'opposer à son arrivée. Donc, que l'organisation commence déjà. Voilà. Et pour commencer, déjà, nous avons deux sujets. Donc, à l'occasion de l'arrivée en provenance de Brazzaville de notre SACE, je suis allé récupérer l'information dans leurs intestins. Parce que je vous dis toujours que non, on a les informations entre leurs jambes. Voilà. Donc, je vous lis ce qui veulent faire les affamés, les petits bébés noirs de la place de Paris. Donc, voilà. À l'occasion de l'arrivée, en provenance de Brazzaville, de notre intermédiaire, le pacificateur Florent Ndaye, une réunion d'information est convoquée. Ce jeudi, donc demain. Ok? C'est bien ça? Jeudi, c'est demain. Voilà. Ce jeudi 15 décembre 2022, à 19h précise, au restaurant Chicken habituel de la Courneuve. Vu le caractère urgent de cette réunion, la présence de tous les membres du collectif est vivement souhaitée. Merci de votre disponibilité. Qui peut léguer ses subunaux, hein? Ndengo bozomi s'informer. Donc là, le communiqué, c'est entre eux les bébés noirs, les affamés. Donc là, chers amis, chers compatriotes, vous aurez devant vous, parce que vous êtes le peuple, vous êtes là pour contester. Vous voyez, ils ont eu à célébrer les 20 ans d'échecs, des grands travaux. Avec, comment il s'appelle le gars, avec Jean-Jacques Bouya. Les 20 ans d'échec. Là où ils ont donné à une cuisse de grenouille plus de 30 millions de francs CFA. Christ Désiré, bonsoir. Est-ce que vous comprenez? Ils ont échoué à mettre des canalisations dans des quartiers, Brazzaville dans l'eau. Ok, même dans les quartiers, même à Oyo chez lui-même, Denis Sassou Nguesso, dans l'eau. Ne vous en faites pas, je veux venir sur le sujet clé, là où ça parle de moi par rapport à l'amende, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils proposent. Je veux vous parler de ça tout de suite. Et donc, partagez ce petit direct-là, parce que je vais couper tout de suite à bientôt. Donc, là où Jean-Dominique Okemba, là où Jean-Jacques Bouya, là où Denis Sassou Nguesso, ils ont échoué. On ne peut pas mettre la canalisation dans leur propre village qui est Oyo, là où ils ont construit des belles écoles, des beaux hôpitaux, tout ce qui est joli.
les aérodromes, les entreprises, je ne sais pas quoi là. Hein? Tout ce qui est bien là, qu'ils sont allés implanter à Oyo. Mais Oyo inondé, pas de canalisation. Non, ça, ça ne leur préoccupe pas. Ce qui leur préoccupe actuellement, c'est encore venir dépenser de l'argent ici sur la place de Paris. Donc, ceux-là qui se sont séparés, nous allons voir encore s'ils vont se réconcilier encore pour l'argent. Parce que eux, c'est seulement l'argent. Prêt à tuer pour l'argent. Prêt à assassiner pour l'argent. Nous allons voir. Parce que vous avez vu, ici, là, quand on est venu bombarder, dévoiler le secret qu'ils étaient séparés, ils ne sont plus ensemble à cause de l'argent. On est venu donner plus de détails. Vous avez vu, ils étaient incapables de faire une vidéo d'ensemble. Pourquoi ? Parce que les autres n'ont pas bouffé comme il le fallait. D'accord ? Les autres ont voulu salir les autres. Les autres ont voulu se cacher derrière les autres. Là maintenant, il y a des mâles d'argent. Il y a des liasses d'argent qu'on est en train déjà de mettre en tête des gens. Qu'on est en train déjà de proposer à chaque équipe. Donc, devant les Congolais, devant cette diaspora, vous risquerez de voir ici, en face de nous, nos ennemis ne seront pas les hommes du PCT, nos ennemis ne seront pas les sassouillistes que vous connaissez du PCT, nos ennemis ne seront pas des cobras, des milices de Denis Sassou Nguesso, mais nos ennemis sur la place de Paris seront les bébés noirs, les affamés qui ont été à l'ambassade pour faire cette sécurité de Denis Sassou Nguesso. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que quand on va manifester, en face de nous, vous avez, vous reconnaissez le visage de ceux-là qui prétendaient être de l'opposition, de ceux-là qui prétendaient être les combattants. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux-là qui vont mettre en première ligne, ok, pour faire la sécurité. Voilà, moi, des hommes qui n'ont pas de valeur ni de principe. Des hommes honteux. Est-ce que vous comprenez? Qui vont laisser leur femme. Dès lors qu'avec leur femme, quand ils étaient dans leur lit en criant « Bichikongo, Bichikongo, on doit faire la guerre à Sassou. On doit montrer à Sassou, Paris ne tombera jamais. » C'est les mêmes personnes qui seront en face de cette résistance. Qui seront en face de vous les Congolais, en face de vous les étudiants, en face de vous les retraités. Vous voyez la honte. Ils ne sont plus des amis, hein? Mais là, ils vont peut-être se réconcilier parce qu'on parle de l'argent. Donc, je relis encore le communiqué. Paul Ndini, bonsoir. Je relis encore le communiqué. À l'occasion de l'arrivée en provenance de Brazzaville, de notre intermédiaire, le pacificateur, donc le sergent Ondaï, un sans-emploi aussi, un criminel. De notre pacificateur Florent Ondaï, une réunion d'information est convoquée ce jeudi 15 décembre 2022 à 19h précises au restaurant Chicken, à la Chicken habituelle de la Courneuve. Vu le caractère urgent de cette réunion, la présence de tous les membres du collectif est vivement souhaitée. Merci de votre disponibilité. Donc, chers amis, chers compatriotes, ça c'est la première information. Je vais terminer, je vais chuter sur la dernière information. Quand je dis, ils finiront par comprendre. On détient leurs esprits et leurs mouvements. Aucune information des familles de bébés noirs des gens Dominique Okimba passera sans qu'on soit au courant. Ok? La toute dernière information, c'est que, vous le savez ici, je vous ai montré les amendes qui se lèvent jusqu'à 36 000 euros que je dois payer à ce régime dictatorial de Brazzaville. Ok? Que je dois payer à l'ambassade. Et l'ambassade, vous le savez très bien, ils vont se le partager entre eux. Aujourd'hui, ils ont décidé, par rapport au bruit, par rapport au soutien, par rapport à la déstabilisation qu'on a eu à faire des bébés noirs sur la place de Paris. En cela, je salue tous les médias, Brazza News Congo Morning, Ziana TV, RTL de Christian Perret, avec vos équipes. On vous dit
Merci pour le travail. Et j'aimerais dire aussi à tous les Congolais qui partagent, qui relaient nos informations, nos vidéos. Je vous dis merci à toutes nos équipes de l'ombre. Merci à vous et merci à toutes. À toutes les mamans et les papas qui nous mènent en prière. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'aujourd'hui, eux, ils croyaient que Faye était seul. Alors qu'ils ne savaient pas que Faye n'était que le porte-parole de ce peuple. Alors qu'ils ne savaient que ils ne savaient pas que Faye n'était que le porte-parole de son voix. Aujourd'hui, comme j'ai montré, j'ai démontré aux yeux de l'opinion nationale et internationale, même sur les amendes qui ont été majorées, sur les amendes de l'ambassade, tout, en fait, ils ont accéléré les procédures tout simplement parce qu'ils voulaient juste la tête de Faye, parce qu'il y en a ceux avec qui on a eu à faire l'action, qu'on a eu à s'indigner sur l'ambassade du Congo, qui sont devenus, qui se sont pliés, qui se sont mis sur la même table que Dominique Okemba. Donc pour eux là, ce n'est que les formalités. Donc eux là, chers amis, rassurez-vous que non, ils ne paieront rien. Ce ne sont que des formalités. Voilà. Maintenant, la tête à faire tomber, c'est Faye. Voilà pourquoi les procédures ont été accélérées vite fait. Voilà pourquoi, même sur l'affaire de Théodorine, même si on sort de là-bas vainqueur, il y aura des procédures. C'est-à-dire, par rapport aux procédures judiciaires, il y aura des amendes à payer. Pourquoi tout cela? Pour m'essouffler, pour me mettre à genoux. Je vous ai toujours dit ici qu'ils ont eu à passer le message via des gens pour pouvoir me dire que non, vas-y, on peut effacer ces dettes, on peut te donner plus que ce que tu dois, on peut tout nettoyer, mais le fait, ce qu'on demande de toi, de tes terres. Mais moi, étant que irresponsable, je sais comment travailler de l'argent. Même si je ne gagne pas beaucoup. Mais je sais que dans ce pays, avec le blanc, avec les Français, dès lors que tu prends ton engagement, peu importe le temps, la durée que ça prendra, ils vont accepter le paiement par échéancier. Donc moi, je ne peux pas baisser mon pantalon. Moi, je ne peux pas me mettre à genoux. Moi, je ne peux pas accepter que ma mère qui a été humiliée, les agents des ONG menacés pour ne pas que ma mère aille porter plainte, mes parents traumatisés, alors que les petits Bokilo et certains de ceux de la diaspora des affamés, des bébés noirs, avec les Matou Samuel, avec les Amadou So, sa femme, qui ont comploté pour ridiculiser ma mère. Et quand ça n'a pas marché, quand ils ont vu le soutien du peuple congolais, ils ont voulu retourner encore cette situation sur moi en disant que j'étais un gundiste, j'ai fait une demande d'asile. Si je l'ai fait, on s'est entendu avec ma mère pour que je puisse obtenir des papiers d'exil. Tellement que ce sont des menteurs, tellement que ce sont des diffamateurs. À prouver du contraire, vous avez vu que moi, je ne suis même pas ngundiste. J'ai la vie familiale. À prouver du contraire, tout ce qu'ils disent, ce ne sont que du mensonge. Bref, donc en cela, moi j'ai dit, peu importe des 36 000 euros, moi je ne peux pas baisser mon froc. Moi je ne peux pas me mettre à genoux devant ce régime de Brazzaville. Pour que eux, ils effacent la dette. Pour que eux, ils m'achètent une maison. Pour que eux, ils me donnent de l'argent. Que je ne puisse plus parler de ce combat. Ce qu'ils ont eu déjà à faire de grave. La réserve du Seigneur, bonsoir. Ce qu'ils ont eu déjà à faire de grave. C'était de comploter. D'agresser ma mère. De humilier ma mère. De filmer ma mère. Ok? Et jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu prendre la plainte de ma mère. Les gens de ONG menacés. Il y a eu même des reportages qui se sont faits. Ok? DRTV, je cite directement le nom, menacés de ne pas diffuser
désolé, menacé de ne pas diffuser ce documentaire. Ok? Et vous croyez que moi faille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Aujourd'hui, ils veulent me donner de l'argent. Ils veulent effacer cette dette pour que je ne parle plus. Ils veulent donner de l'argent et il y a des gens. Et je prends le peuple congolais à témoin. Et vous, ces gens de ce régime, à qui vous donnerez l'argent? Celle ou celui qui a accepté de vous garantir que lui ou elle, elle peut me convaincre que vous allez lui donner cela, cet argent-là. Dites-vous que la personne va bouffer de l'argent. Je n'ai pas donné ma probation. Je n'ai pas donné mon autorisation à une personne de me représenter pour prendre de l'argent. Ok? Si aujourd'hui vous avez compris que ce que je dis là, bien que vous avez voulu me faire taire, bien que vous avez voulu me mettre à genoux, que je ne tombe pas jusqu'à présent, c'est parce que vous savez que non, ce que on a eu à dire sur le régime de Brazzaville, ce n'est que la vérité. Maintenant, si vous voyez que ça vous dérange maintenant que je parle de 36 000 euros, que ce régime, que ce gouvernement, c'est un gouvernement des racketeurs, c'est un gouvernement des voleurs, des pilleurs, des bandits, ben, soldez je ne sais pas, la monde en question. Mais voilà, parce que dans tout un pays, ils doivent avoir des opposants. Dans tout un pays, ils doivent avoir des gens qui s'opposent. Ok? Donc aujourd'hui, si vous voyez que cela commence à vous déranger, ok? Ben, moi, je ne vous demande pas de l'argent. Soldez ça, parce que j'ai parlé. Vous, vous avez fait pire que ça. Vous avez dit, même au Kima, toi-même, tu l'as dit. Vous avez détruit le pôle, le ciel n'est pas tombé. Donc, que ce soit Okemba, que ce soit Denis Sassou Nguesso, si tu as eu déjà à donner de l'argent, ou tu vas donner de l'argent demain, dans les réunions des affamés, dites-vous que ces gens-là vont bouffer de l'argent parce que moi, faille, j'ai donné l'autorisation à personne et je vais accepter l'argent de personne. Ok? Donc, si vous voyez que non, on a le droit de s'opposer, ok? De dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. En temps normal, les critiques devraient vous arranger et devraient vous pousser à faire mieux. Soldez la dette, c'est tout. Soldez la dette. Vous avez des huissiers de justice à qui on s'est engagé, à qui on a écrit, vous avez des avocats. Ben, faites un courrier, vous connaissez mes avocats, vous connaissez Maître Brice Nzaba, vous connaissez Maître Sylvestre Senda, vous connaissez Maître Nokolo, vous connaissez Maître Philippe Misamou, vous connaissez Maître Amédé Nganga, vous connaissez Maître Dominique Nkunku. Ben, essayez. Coco, s'il te plaît, là. Donc, essayez déjà de solder ça. Maintenant, si vous dites que non, vous allez donner ça à une personne pour venir donner à faille, la personne va bouffer votre argent. J'ai pas besoin de votre argent. Si vous ne voulez pas solder ça, moi, c'est en public que je l'ai dit. Voilà. Si vous ne voulez pas solder cela, j'avais déjà pris l'engagement. Je vais commencer à payer petit à petit. Voilà. Au moment que je verrai que non, ce combat-là, quand je le fais, je n'ai pas le soutien. Si je dois me taire, je veux me taire, mais personne ne va m'imposer ou va me dire ce que je dois faire. Et je ne veux pas me taire pour faire plaire à qui que ce soit. Parce que les Congolais doivent aussi le savoir. Ok? Je vous le dis ici parce que même pendant la réunion, il y a eu des gens qui m'ont appelé, des gens avec qui on était en réunion, ils ont écouté. Moi, je ne me cache pas, il y a des gens qui sont de ce régime, qui veulent vraiment que j'aille de leur compte. Je n'irai pas de leur côté. Ok? C'est ni aujourd'hui ni demain. Parce que je vous dis toujours, j'ai signé des pactes avec le Dieu le Tout-Puissant, le Nzambe Mponkwatulendo. Avec les morts et les vivants. Je ne prendrai pas l'argent là. Voilà pourquoi je vous dis ce qu'eux, ils veulent faire. Voilà. Si dans un pays, on a le droit de s'opposer et de dénoncer un régime, donc si vous voyez que non, ça commence à vous déranger que j'en parle de cette somme que vous voulez me racketter, les 36 000 euros, ok, bah, vous pouvez le solder par les voies judiciaires. Vous avez vos avocats, vous avez vos huissiers à vous qui nous ont envoyé les courriers. Voilà, tout simplement. Ok. Aujourd'hui,
Avant le 3 janvier, je dois payer 1500 euros. Et l'avocat m'a fait, comment dirais-je, l'avocat m'a favorisé. Bonsoir, maman Céline Conco. L'avocat m'a favorisé. Ça peut, ce genre de procès peut prendre 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc l'avocat m'a favorisé. L'avocat m'a demandé 1500 euros. OK? Donc je dois chercher 1500 euros à donner avant le 3 janvier. Et je dis déjà merci à tous ceux-là qui m'appellent. Merci à tous ceux-là qui donnent 10, 20, 30 euros. Merci à vous tous. Merci à votre soutien. Voilà pourquoi je vous dis, chers amis, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et j'aimerais dire à ceux-là qui ont pris l'engagement ou qui ont dit, qui ont garanti à ce régime de Brazzaville que ils vont prendre l'argent, ils savent comment me remettre cet argent. Si vous continuez comme ça, je viendrai citer vos noms ici. Maman Jeanne, bonsoir. Je viendrai citer vos noms ici. Voilà. À peine quelques jours, en étant en réunion, il y a une personne que je ne citerai pas de nom. Toi-même, vous-même, vous allez vous reconnaître ici. OK? Parce que c'est que vous allez suivre ce direct. Et je dis encore au régime de Brazzaville, moi, personne ne va me faire taire. Personne. On est dans un pays, ils doivent avoir des opposants. Ils doivent avoir des gens qui s'opposent. Les critiques doivent pousser au gouvernement, illégitime ou pas, de changer leur façon de faire, d'améliorer les choses. Il n'y a pas un truc que vous allez me donner dans l'obscurité que moi, enfin, je veux prendre. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je vous dis et je le répète ici, s'il faut payer les 36 000 euros, on a fait déjà des démarches pour payer, on a pris déjà des engagements. Je vais payer. OK? Si vous voyez que non, il faut solder parce que ça vous dérange. Soldez les 36 000 euros, on n'en parlera plus. Voilà. OK? Voilà. À bon entendeur, salut. Donc, on est ensemble, chers amis. Ingeta. Bonne soirée à vous.